Salut à toi, jeune lycéen perplexe face à ton avenir. Je m'appelle Zoé et je suis en filière B de prépa charte au lycée Pucelle de Coulanges à Strasbourg. La plupart d'entre nous, on est arrivés ici un peu par hasard et on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo qui pourrait t'aider à faire tes choix d'orientation. Bonjour à tous, donc je m'appelle Noël Esnirek, je suis étudiant en prépa charte et j'ai fait donc une section ES, une terminale ES au lycée Hélène Boucher à Thionville, donc en Moselle. Donc en prépa charte, donc la section de classe préparatoire où je suis, on a donc deux sections, donc une section A qui est principalement tournée vers l'histoire médiévale et le latin. Bien sûr. Ensuite, on a donc la section B, la section où je suis, qui est donc tournée vers la période contemporaine, avec la matière spécifique en histoire, c'est donc de l'histoire contemporaine. Et enfin, donc, à noter que la prépa charte Pucelle de Coulanges de Strasbourg est la seule à permettre d'avoir deux sections distinctes dès la classe d'Hippocagne, donc dès la première année de préparation. Bonjour, donc, je m'appelle Nathan et je suis en filière B de la prépa charte. Et je viens du lycée Marbloc à Strasbourg. Donc, je vais vous parler de la charge de travail. Donc, on va dire que le minimum pour travailler, c'est à peu près 4 heures par jour, même si vous pouvez faire plus, évidemment. Et au niveau du travail, c'est pas tant des devoirs que de l'apprentissage par soi-même énormément, donc c'est-à-dire en lisant des livres ou en se renseignant sur certains points qui ont été vus en cours. Et c'est également très important de faire des pauses, par exemple de faire une heure de pause chaque jour où on fait pas de prépa et on se vide la tête. Et également de profiter de ses vacances pendant 4 jours où, pareil, on fait pas de prépa et on se vide la tête et on profite de la vie un petit peu quand même. Voilà. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en charte B. Je viens du lycée Fustel où j'ai fait un bac L. La prépa fonctionne comme la fac en semestre. Quand on s'inscrit en prépa, on choisit une licence, donc soit histoire, humanité, géographie ou histoire des arts. On s'inscrit donc aussi à la fac. Comme ça, on peut basculer de la prépa à la fac à la fin d'un semestre. Pour valider son année de prépa, il faut obtenir les crédits de la fac, donc les ECTS, 120 en une année, 60 par semestre. Si on n'a pas le concours à une autre école, on va à la fac dans la licence qu'on a choisie au début de la prépa. Alors, je m'appelle Gaëlle, je suis en filière B et je viens du lycée Henri Loritz à Nancy, j'étais en bac S, sciences de l'ingénieur. Je m'appelle Louise, je suis en filière B aussi et je viens de Nancy, du lycée Jeanne d'Arc, où j'ai passé un bac L. Donc ici, on va vous parler du concours, parce que c'est quand même le but de la prépa charte au terme de 2 ans de passer le concours. Donc par rapport au concours, la première année de prépa, ça va être surtout axé pour se faire des bases solides de connaissances et pour une découverte générale des matières, parce qu'il faut savoir qu'on vient tous de filières plus ou moins différentes. Et la deuxième année va être beaucoup plus axée sur la perspective du concours. Donc pour le concours, à l'échelle nationale, il y a environ 200 candidats qui se battent entre guillemets pour 20 places. Donc il y a 12 places en A et 7 places en B. Ici, il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié de la classe qui souhaite avoir le concours et l'autre qui vient plus pour la formation que peut apporter la prépa école des chartes et donc qui ne souhaite pas forcément avoir le concours. Donc pour le déroulé du concours, le concours se passe en avril de la deuxième année. Donc il y a 5 à 6 jours d'épreuves écrites en premier. Et donc à l'issue de ces épreuves écrites, il va y avoir une partie qui va être sous-admissible puisqu'ils seront reçus à l'écrit et donc auront la possibilité de passer les oraux un mois plus tard. Il faut noter également que si jamais on loupe le concours à quelques points, on a la possibilité de cuber notre année, c'est-à-dire de faire une deuxième année pour retenter notre chance l'année d'après. À noter aussi que toutes les matières sont à coefficient. C'est-à-dire qu'on a beau être une prépa à spécificité historique, on a combien d'heures d'histoire par semaine? Beaucoup. beaucoup. Du coup, on a beau avoir beaucoup d'heures d'histoire et seulement 2 heures de français par semaine, le français va compter par exemple autant que l'histoire ou que les langues. Donc, ça va vraiment être nécessaire d'être solide sur tous ses appuis, sur toutes les matières en fait, de tout travailler de façon homogène. Mais ne vous inquiétez pas, parce que pour travailler le concours, on aura dans l'année, dans la première année, on a 2 concours blancs et pareil, en deuxième année, 2 concours blancs qui nous entraînent au concours de fin de deuxième année. Et pendant l'année, on a également des épreuves de 6 heures à l'écrit pour nous entraîner aux épreuves du concours. Mais c'est pas insurmontable, si on travaille, ça va. En vrai, ça se fait, il faut juste apporter à manger. C'est important parce que sinon, vous avez une hypoglycémie au milieu du DS. Et bien dormir la veille, sinon ça se fait. Et puis par rapport aux épreuves, etc., on a une bonne cohésion de classe. Du coup, ça nous permet de nous entraider les uns et les autres quand on a des difficultés. Faut savoir que par exemple,
il y a des petits groupes qui se sont mis en place pour réexpliquer si on n'a pas bien compris des cours. Ceux qui ont mieux compris vont aller expliquer aux autres, etc. Donc c'est vraiment sympa. Alors salut, je m'appelle Solène. J'étais en section L au lycée André Mauroy de Bichevillers. Et maintenant, je suis en charte B. Hey, je m'appelle Salomé. Je viens du lycée Henri Mec de Molsheim et je suis également en charte B. Alors, on va vous parler des choses qui avantagent la prépa par rapport aux autres écoles ou aux autres études. Donc, on ne s'en rend pas tout de suite compte, mais au fur et à mesure, on va acquérir une technique et un rythme de travail. Et cette rigueur va nous permettre de trouver la fac plus tard un petit peu plus facile, entre guillemets. En ces temps difficiles de Covid, l'avantage principal de la prépa, c'est qu'on est en présentiel. On se sent privilégié et entouré, et ça nous permet de... Les profs vont vous le répéter sans cesse si vous venez en prépa charte, mais le travail en groupe c'est super important, surtout dans les langues étrangères. Et la chance de trouver des potes pour bosser, c'est beaucoup plus facile en prépa qu'à la fac parce qu'on en est moins nombreux. Donc travailler ensemble, ça permet de garder aussi des moments de détente. On va pas se mentir, le cliché de la prépa c'est que c'est dur et les personnes avec toi se retrouvent dans le même bateau. Tout le monde se prend les mêmes tempêtes, les mêmes icebergs et on échoue tous sur les mêmes îles à cas les mauvaises notes. C'est ce qui permet d'être ensemble, unifié, de se faire de vrais potes qui auront toujours une place pour toi dans ta vie future. Donc l'effectif en classe est très peu important. Ça permet de posséder un encadrement privilégié. Donc si vous avez besoin, comme au lycée, d'être boosté par vos professeurs ou par vos camarades de classe, y a pas de souci. Tout le monde est toujours là pour les autres. La prépa, c'est l'endroit parfait, du coup, si tu as besoin d'être accompagné. Tu sens une structure autour de toi et les gens ne te lâchent pas dans la nature. Tout le monde est toujours bienveillant avec toi. Alors bonjour à tous, je suis Edgar Doma et je viens d'Auvergne, du lycée Jeanne d'Arc. J'étais en série littéraire avec l'option EpiBac que vous connaissez forcément. Je suis actuellement en filière B au lycée Fustel de Coulanges avec l'option latin. Et oui, c'est important car à l'école des chartes, vous êtes obligé de faire du latin. Donc bonne chance pour ceux qui ne vont pas prendre l'option latin. Alors, l'école nationale des chartes est destinée à former. À former quoi ? De futurs conservateurs des bibliothèques et des conservateurs du patrimoine spécialisés en archives, musées, monuments historiques, archéologie ou inventaire. Des enseignements chercheurs dans l'enseignement supérieur, également des professionnels de la recherche dans les universités ou au sein du Centre national de la recherche scientifique, et également des responsables de projets informatiques dans le secteur patrimonial et celui de la recherche en sciences humaines et sociales. Bonjour, je m'appelle Lucie Méchler, je suis en HK3A, donc ça veut dire charte A, en première année. Je viens du lycée Notre-Dame des Mineurs, j'ai fait une terminale L, et je vais vous parler des possibilités suite à la prépa charte. En dehors de l'école du charte, du coup, il y a tout d'abord l'université qui propose plusieurs facs. On a des contrats avec la fac de Strasbourg et la fac de Paris. La fac d'histoire, tout d'abord, évidemment. Puis il y a les lettres classiques pour les A, la géographie pour les B, l'archéologie ou l'histoire des arts pour ceux qui ont fait IDA en option. À partir du deuxième semestre de la L1, sinon vous ne pouvez pas y aller en L2. Il y a également le droit qui est possible. Il y a également Sciences Po qui propose à ceux qui ont QV la possibilité de faire un master en cursus droit là-bas. Il y a aussi l'école du Louvre qui propose, si vous n'avez jamais fait histoire de l'art, de rentrer en L3 suite à un concours, donc ce serait un oral. Et sinon, vous pouvez toujours tenter le concours sans avoir fait l'histoire de l'art. Et il y a également toutes les écoles françaises à travers le monde, donc que vous pouvez faire suite à une licence ou un master éventuellement. Donc il y a par exemple l'Université de Rome, qui est une école française plutôt spécialisée en histoire. Il y a celle d'Athènes, qui est plutôt spécialisée en archéologie. Celle du Moyen-Orient, qui se situe en Égypte et qui est également spécialisée plutôt en archéologie. Celle de Venise qui est plutôt accentuée sur les lettres et celle de Florence qui est internationale. Ensuite, il y a également celle de McGill qui est à Montréal. Là-bas, vous avez la possibilité de vous faire payer votre scolarité. Donc, il faut
faut pas oublier que certaines de ces écoles sont françaises, mais d'autres sont internationales. Donc vous devrez sans doute faire votre cursus en anglais pour certaines d'entre elles. Alors bonjour, moi c'est Marc de Pazis et je suis en A. Je viens du lycée Kléber à Strasbourg et j'étais en filière S, sciences ingénieurs. Donc, moi je vais vous parler des choses importantes à faire, pas importantes, pas capitales, mais qui sont utiles à faire pendant l'été pour, si vous êtes pris en prépa charte. Donc je vais faire les A et les B, et je vais vous faire les matières tout simplement. Donc d'abord en lettres, c'est une matière qu'on a en commun. Le plus important c'est de garder ces cours que vous avez fait en première, et même celles du collège si vous les avez encore, les points de grammaire qui ont été rappelés par les professeurs, parce que c'est très utile. Et c'est utile dans plusieurs matières en parallèle, donc vraiment de très important. Pour ce qui est de l'histoire en général, c'est utile de se faire une culture générale, même si c'est des choses, des petits détails, des choses qui vous intéressent. Par exemple, moi, je vous conseille personnellement les podcasts. Par exemple, vous avez Franck Ferrand sur Spotify, c'est vraiment super. Voilà, même si vous comprenez pas tout, ça peut être vraiment des anecdotes intéressantes et puis ça donne envie même de découvrir la période ensuite. Et ça fait une bonne introduction. Ensuite, en particulier en histoire moderne, par exemple. Enfin, pour l'histoire moderne, je vous conseille surtout de connaître la friche chronologique, être capable de comprendre une friche, de connaître les rois, même pas les dates forcément, ça c'est pas le plus important, mais de savoir qui suit à qui, les grandes périodes, s'il y a des longues guerres, ou voilà, mais juste vraiment, il n'y a pas besoin d'aller dans le détail parce qu'on le fera en cours, mais avoir une vue très générale. Ensuite, en histoire médiévale, de toute façon, vous le verrez, il faut lire le Claude Gauvard, qui vous sera donné dans la liste des livres pour la prépa. Voilà. Alors, en histoire contemporaine, c'est pareil, il faut connaître les suites de régime, avoir une idée un peu du déroulement général de la période. En latin, déjà, chose importante, il n'y a pas besoin d'en avoir fait avant. Que vous soyez en A ou en B, vous pouvez en faire, et on recommence tout à zéro. Et ce qui est surtout important, surtout si vous n'en avez jamais fait, c'est d'apprendre votre grammaire française. De revoir la conjugaison, l'analyse des phrases, et c'est vraiment ça, c'est le plus important. Le latin, ça viendra tout seul, mais le français, c'est ce qui va vous demander le plus de travail si vous ne l'avez pas fait cet été. Ensuite, en anglais, c'est toujours utile de regarder des vidéos, de lire de l'anglais, mais ça, on vous le dit depuis la primaire. Et ce qui est utile aussi, c'est comme le latin, le français, parce que comme on traduit, il faut être capable de s'exprimer en français, d'avoir une orthographe, une conjugaison, même si on peut avoir des difficultés, essayer de le revoir la grammaire. C'est vraiment utile. Le sport, c'est une matière qui est facultative, donc il n'y a rien à faire en été, mais je précise qu'il y a, et c'est très utile, ça fait du bien, et profitez-en, on en a 2 heures par semaine, c'est vraiment utile. Le grec, c'est pareil que le latin, il n'y a pas besoin d'en avoir fait avant, je vous conseille d'y aller, ça peut être vraiment utile, et les conseils, c'est pareil, le français, avoir des bases en français, être solide dans sa grammaire et dans sa conjugaison. Et pour l'histoire des arts, il n'y a pas vraiment de conseils, parce que vous ferez tout à la rentrée. Vous pouvez toujours aller voir des musées cet été si vous en avez l'occasion, mais j'ai pas de conseils particuliers. Voilà, et c'est tout. Et surtout, le plus important, c'est de profiter de ces vacances. Vraiment, c'est pas le moment. Début août, là, la première semaine, on ne voit plus sa famille, on se commence à préparer la prépa, c'est vraiment, ça sert à rien. Profitez-en, faites 1 heure, 2 heures de travail par jour si vous êtes vraiment stressé, mais c'est pas plus utile. Vraiment, profitez de vos vacances. Voilà. On vous attend.